Salut et bonne année à tous. Alors comme vous avez pu le voir en intro, je suis parti une semaine en vacances à la montagne et bien sûr j'ai pris mes caméras et j'en ai profité pour faire un montage. Je me suis dit que ça serait un bon sujet de vidéo pour vous montrer comment réaliser un montage avec votre téléphone ou votre tablette sur l'application Insta360. Et dernière chose avant de démarrer, cette vidéo va être un peu longue car c'est un tutoriel de montage, mais vous trouverez dans la timeline tous les chapitres si vous voulez aller directement à un chapitre qui vous intéresse. Tout d'abord, les prérequis pour faire un montage avec des fichiers 360. Même si les fichiers d'Insta360 sont optimisés, il vous faut quand même suffisamment de puissance sur votre téléphone ou votre tablette et suffisamment de mémoire pour réaliser le montage. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir de la latence, vous allez avoir des bugs ou un plantage complet de l'application, tout simplement parce que le téléphone ou la tablette n'arrive pas à suivre. De mon côté, j'utilise le Xiaomi Note 10 Pro. Pour moi, ce téléphone, c'est l'idéal dans le sens où il est très puissant, avec beaucoup de mémoire, et je n'ai jamais eu aucun problème de montage avec ce téléphone. Je ne suis pas sponsor par la marque, mais si vous voulez un bon téléphone pour n'importe quelle caméra et faire des montages avec, je vous le conseille. Et maintenant, place au montage sur le téléphone. Donc la première étape, ça va être de connecter votre caméra pour récupérer les fichiers. Vous allez aller sur Insta360, connecter votre caméra. Et une fois que vous êtes connecté, la première étape à faire, c'est de télécharger les fichiers que vous voulez utiliser pour faire votre montage. Alors, je vais vous montrer comment faire. Il faut cliquer sur votre fichier que vous voulez utiliser. Et en bas à gauche, vous avez le bouton « Enregistrer ». Ça va tout simplement l'enregistrer en local. Et lorsque vous allez faire le montage, vous allez travailler directement sur le téléphone. Alors, je vous déconseille fortement d'utiliser le Wi-Fi entre la caméra et le téléphone. Déjà que les montages 360 sont gourmands à utiliser sur le téléphone, si en plus vous rajoutez la connexion Wi-Fi, vous risquez d'avoir des ralentissements ou même des bugs si le Wi-Fi se coupe. Donc vous cliquez sur enregistrer, ça se rajoute à votre file d'attente et là vous le faites avec tous les fichiers que vous voulez utiliser. Voilà, j'ai téléchargé tous mes fichiers qui m'intéressaient et vous allez les retrouver dans Album. En bas sur la gauche, vous avez Album, vous cliquez dessus et en haut vous avez Local. Ici, c'est tous les fichiers que vous avez téléchargés. Ils sont sur le téléphone, plus besoin de connecter la caméra, vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Sachez que vous pouvez modifier ces fichiers directement. Si vous ne voulez pas faire de montage, mais juste recadrer vos images 360, il suffit de cliquer dessus et vous allez avoir tous les paramètres possibles sur une seule image pour pouvoir sélectionner la durée ou recadrer votre image. En plus, et ça c'est une petite astuce que je vous donne, si vous le faites, ça va faire un doublon de sauvegarde. Donc ça va garder le fichier d'origine, mais ça va aussi créer un doublon que vous allez pouvoir retrouver pour votre montage. Maintenant, place au montage. Alors, vous allez aller dans Story, en bas à droite, vous cliquez dessus, et là, vous allez vous retrouver avec les trois onglets. Donc, vous avez le Shot Lab, ça c'est les vidéos que je vous ai déjà présentées pour créer des effets. Vous avez l'édition intelligente, qui est plus dédié à des caméras comme la Go, où en fait il suffisait juste de mettre vos fichiers pour lancer un montage. Et enfin, vous avez mes stories. C'est là-dessus que vous allez pouvoir créer vos montages. Comme vous pouvez le voir ici, on a mon premier montage que vous avez vu en intro, et on va créer un nouveau montage. Vous cliquez dessus. Alors là, vous avez des blocs avec plusieurs images. Alors au début, c'est un peu bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. On va cliquer sur le premier. Et là, on a plusieurs prises de vue automatisées. C'est-à-dire que le premier, vous avez un petit logo en bas, c'est la lentille frontale. Le deuxième, c'est la lentille à l'arrière. Le troisième, c'est la vue type standard, vidéo standard, qui est déjà recadrée. Enfin, le quatrième, c'est la vue selfie. Et comme je vous disais au début, si vous avez déjà modifié votre fichier, vous allez retrouver une cinquième image avec votre pré-montage fait sur uniquement cette vidéo. C'est la vidéo qu'on a retravaillée au début avec les petits ciseaux. Donc on va en sélectionner 3. Une fois que vous avez sélectionné vos fichiers, en haut à droite, vous avez validé. Et là, ça va créer votre séquence. Vous avez vos 3 images, vous avez votre timeline pour visualiser. En bas à gauche, vous avez la musique. Il vous propose de nombreuses musiques gratuites à l'intérieur, mais vous pouvez aussi aller dans local, en sélectionner une. Et là, vous avez le ratio. Donc vous allez tout simplement pouvoir sélectionner soit du 16/9 pour des images normales ou encore par exemple du 9/16 pour faire une story. Donc on revient sur nos 3 images. Si vous voulez changer la position des images, ça se passe ici dans la première partie. Vous allez rester appuyé sur votre image et là vous allez pouvoir la glisser et la déposer là où vous souhaitez. Donc on va placer mon image avec la voiture
en premier. Et maintenant, on va voir toutes les options. Donc quand vous cliquez sur l'image, vous avez quatre onglets qui se situent en bas. Vous avez le cadre, modifier, ajuster ou tailler. Le premier, c'est pour sélectionner le champ d'image que vous souhaitez. Comme on avait sélectionné au début notre image selfie, il l'a déjà présélectionné. Mais vous pouvez très bien le modifier, il suffit juste de cliquer sur les options. On va aller au maximum de l'image 360 et on va cliquer sur recadrer. Sur modifier le recadrage, vous allez vous retrouver un peu comme quand vous modifiez sur l'album une seule vidéo, avec le plus pour sélectionner l'image. Donc par exemple là, on va se mettre comme ça, on va cliquer sur plus et vous avez les angles de vue. Donc si on veut faire un tiny planet, il suffit juste de cliquer dessus. Ensuite, vous avancez dans votre montage, vous créez un nouveau point clé à l'image qui vous convient et en haut à droite, vous validez. Donc voici comment on fait pour recadrer votre image 360. Ensuite, nous allons aller sur modifier. Modifier, vous avez quatre possibilités. Vous avez taillé, vous avez la vitesse, vous avez le texte et vous avez le son. Si vous faites un montage avec une musique et que vous ne voulez pas entendre le son, vous allez tout simplement enlever la partie sonore de la vidéo. Ensuite, au niveau du texte, vous allez pouvoir rajouter du texte. La vitesse, vous allez pouvoir autant accélérer la vidéo jusqu'à 16 fois, donc c'est l'effet hyperlapse, et vous allez pouvoir aussi faire des slow motion. Donc si vous avez enregistré avec beaucoup d'images par seconde, vous allez pouvoir créer des slow motion. Pour ceux qui se posent la question au niveau du freeze, c'est une interpolation d'images. Il va rajouter des images entre celles qui n'existent pas pour pouvoir vous créer un effet slow motion très poussé. On revient en arrière. Et enfin, nous avons tailler. Tailler, c'est tout simplement pour raccourcir votre séquence. Donc vous allez pouvoir sélectionner par exemple 2 secondes qui vous intéressent sur l'image. Ici, vous avez un petit onglet à gauche où ça va être le début de l'image. Vous allez glisser le curseur jusqu'au début de l'image qui vous intéresse. Et là, vous allez cliquer maintenant sur la fin et vous allez faire la même chose. Vous allez glisser jusqu'à l'image qui vous intéresse. Alors, le temps qui se situe au centre de ces deux petits boutons, c'est le temps que vous avez sélectionné. Donc là, comme on peut le voir ici, on est à 34 secondes, donc ce qui fait déjà un gros fichier. C'est pour ça, pensez quand vous filmez avec des images 360 à faire des fichiers plutôt courts, parce que lorsque vous allez faire le montage dessus, ça va être long à retailler. Troisième onglet, ajuster. Pour l'instant, c'est uniquement un filtre. Donc vous allez pouvoir ajouter un filtre sur chacune de vos vidéos. Pour l'instant, sur l'application, on ne peut pas aller plus loin sur le retravail colorimétrique, mais je pense que dans ce menu, on pourra bientôt pouvoir toucher plus la colorimétrie, par exemple la luminosité, le contraste ou la saturation. Et enfin, vous avez le quatrième onglet qui sont toutes les options du petit onglet taillé que vous aviez dans modifier. Donc vous allez pouvoir copier-coller votre séquence. Je vais vous montrer un exemple. Vous copiez-coller, elle se place juste après. Ensuite, vous allez pouvoir couper en deux votre séquence. Vous allez à l'endroit qui vous intéresse et vous validez. Ça va vous couper vos deux séquences. Vous avez commencé à. Alors cette option, ça va reprendre votre durée de sélection et vous allez pouvoir la déplacer. Si par exemple, vous avez démarré 2 secondes trop tôt, il vous suffit juste de glisser votre séquence et de débuter, au lieu de débuter ici par exemple à 74, vous allez débuter à 76. Et enfin, remplacer, c'est pour remplacer le fichier au même endroit que votre fichier actuel. Une fois que vous avez fini de recadrer toutes vos images et que ça vous convient, on va voir maintenant comment rajouter des transitions. Entre chaque image, vous avez un carré vide. Et au début et à la fin, vous avez un plus. Pour le plus, ça va vous permettre d'ajouter une vidéo, une photo ou d'ajouter un texte. Donc si vous voulez faire par exemple un texte d'intro, on va faire un test ici. On va mettre Insta360, confirmer. On va le mettre en noir au centre et en bas, vous avez donc les options de texte, vous avez l'option de la durée de votre texte, on va mettre par exemple 2 secondes, et vous avez le fond de l'image, ici sur contexte général, vous cliquez sur le jaune, et sur votre timeline, vous pouvez maintenant voir votre image d'intro. Place aux transitions. Alors, les petits carrés vides, c'est là-dessus que ça va se passer. Vous allez cliquer dessus, et là, vous avez à nouveau la possibilité d'ajouter entre ces deux images un clip. Vous avez aussi toutes les possibilités de transition entre ces images. Si vous avez 2 images 360, vous allez avoir encore plus d'options. On va cliquer sur la deuxième transition et là, comme vous pouvez le voir, il vous propose aussi des transitions complexes entre 2 images 360. Attention, le rendu est assez long, donc si vous voulez faire un montage standard, je vous le déconseille. Ici, on va par exemple faire un zoom
On va faire la fameuse transition du zoom à l'intérieur de l'image. On va cliquer dessus. Et là, ça va générer la transition. Quand vous prévisualisez votre séquence, la transition n'est pas très fluide. Sachez que ce n'est que le pré-rendu, et une fois que vous allez exporter la vidéo, la transition sera fluide. Donc une fois que vous avez terminé tout ça, à nouveau, vous pouvez descendre le slider avec les deux petites flèches, et là, vous avez votre séquence terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'exporter. En haut à droite, vous avez le bouton d'exportation. Et là, je vais vous montrer deux petites astuces. Ici, ça va lancer l'exportation. C'est marqué « Exportation rapide » avec une petite flèche à droite. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur le paramètre, et là, vous allez voir toutes les résolutions possibles. Alors, vu que c'est des fichiers 360, une fois qu'ils sont recadrés, le maximum, ça va être du 2K. Donc, je vais pouvoir le sélectionner. Attention, si votre téléphone n'a pas assez de ressources, il va vous mettre un message, vous dire qu'il ne pourra pas exporter au-delà, par exemple, de Full HD, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de mémoire sur votre téléphone. Ensuite, vous avez le débit et la fréquence d'image. Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres, donc si vous utilisez le Color Plus, ça va donner de la vibrance, mais attention, ça va rajouter un peu du bruit dans les basses lumières. Et c'est pour ça que vous avez le troisième bouton qui s'appelle réduire le bruit. Donc là, vous allez à la fois donner de la vibrance avec le Color Plus et diminuer un peu le bruit de l'image avec cette option de réduction de bruit. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère à nouveau que ce tutoriel vous a plu et vous permettra de faire des montages sur votre téléphone facilement. Comme vous avez pu le voir, Insta360 ont bien développé leurs fichiers et leur application. Donc c'est plutôt facile d'utilisation. Et pour ceux qui veulent aller plus loin ou faire des montages plus complexes, je vous conseille quand même de faire les montages sur un logiciel comme par exemple Premiere Pro. J'avais fait une vidéo, je vous la mets ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et on se dit à dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !